Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, magasin. Bonjour, bonjour, princesse. Bonjour. Et bon dimanche. Bon dimanche à vous. Bon dimanche, bon dimanche, bon dimanche. Bon dimanche. On dit quoi? Bon dimanche. Magasin dit quoi? Deux spaghettis. Deux spaghettis. Deux spaghettis. Deux spaghettis. Sur mes doigts comment? On ne peut pas sur mes doigts. Mes doigts. Deux spaghettis. La nouvelle chanson. Deux spaghettis. Je sors du hammam. Je sors du hammam. J'ai fait 45 minutes de hammam. Je suis très fatigué. Allô? Allô? Je suis ici, sors, sors, je suis au restaurant, à la terrasse. J'ai dit que j'entre, tu viens me donner le truc. Moi, je suis en train de manger. Je suis en train de manger. Merci, Clara. Oh, j'ai fait vraiment presque une heure au hammam. Je suis complètement cassé, cassé, cassé. Je n'avais même pas la force de venir manger. Parce que je n'ai pas... Je n'ai pas déjeuné du tout. Merci, Yo-Yo. Merci.
Et je passe par là pour remercier toutes les femmes, les dames de Lyon, que je respecte beaucoup, qui m'accordent leur soutien. À travers ce live, je leur dis merci. Je leur dis merci beaucoup. Mes gens, vous savez, merci beaucoup Clara, merci énormément. Merci beaucoup. Merci beaucoup Magazon, merci beaucoup, merci, merci. Comme je viens en vacances, je viendrai dire bonjour aux femmes et Candélion. C'est promis. Je viendrai dire bonjour aux femmes et camps de Lyon. Et je passe par là pour dire que la femme qui va m'attaquer sur terre sans que ne réponde n'est pas encore née. C'est ma conclusion. La femme qui m'attaque, qui va m'attaquer sur terre, ou me rabaisser sur terre, sans que je ne réplique, n'est pas encore née. Sauf celle qui, au lieu de pisser, courber, pisse debout. Dans ce cas, je te respecterai et je ne te répondrai pas. Mais tant que tu pisses courbé comme moi là, c'est juste pas possible. Et comme j'ai dit, quand vous me voyez assise sur quelqu'un, sachez que je n'ai pas donné le premier coup. Mais je ne sais pas attaquer, je ne sais pas provoquer. Je ne sais pas provoquer. Mais je sais répliquer. Vous avez compris, non? Et si tu dis des mensonges sur moi, mais je ne vais pas répliquer avec le mensonge, je vais répliquer avec la vérité. Merci Madra Aigri. Oh là.
Tu as appelé le taxi. Il n'y a pas. Ah bon? Ah bon? Attends, alors je mange ou pas? Hein? Mais monte te lave. Tu veux pas manger? Mange, non. Non. Dis bonjour à tes mamans. Là. Il est sali, il sort du foot. Il est plein de boue, poussière. Il sort du foot. Là, comme il sait que tu ne manges pas. Là, j'ai dit à la pression. Les gens, quelqu'un te porte plainte le même jour. Elle fait le direct pour dire comment vous avez une mauvaise haleine, donc vous sentez. Elle rabaisse votre mari. Elle vous rabaisse, elle rabaisse votre mari. Elle a le courage de dire qu'elle est partie porter plainte. Mais genre avant, je n'enregistrais pas les vidéos. Tata Guylaine, il y avait réunion avec ton nom chez Zoa, avec Reine Mère Bio et Lolo Pipi. De tous les noms que tu as cités, tu vois que tu es normal dedans. Lydia, bonjour. Zoa. Pipi, Lolo Pipi et Reine Mère Bio. Les trois mélangés. Vous avez vu que les trois qu'on mélange comme ça, il y a quoi? On ne répond pas. Moi, je ne peux pas répondre à ça. Quoi. Zoa. Sans papier. Sans enfant. Sans argent. Lolo Pipi. Sans papier. Sans enfant. Sans argent. Un meuble, je ne sais même pas qui c'est celle-là. Je ne la connais pas. Je ne connais pas celle-là. Je pense que c'est celle qui est arrivée au Cameroun qui m'a appelé pendant plus de. Pendant tout son séjour. Et que j'ai jamais pu. Elle est arrivée au Cameroun. Elle m'a appelé 150 millions de fois. Jusqu'à la dernière minute, elle n'a pas compris que je ne voulais pas la rencontrer en fait. Lydia a dit là de me laisser avec leur Congo ça. Je ne sais pas Bendeka là. Bendeka. C'est pas Bendeka là. Maman Loïc dit qu'il ne connaît pas Bendeka. Mais c'est Bendeka. Elle ne veut plus le Congo, ça. Elle ne veut plus le Congo, ça. Ne venez plus me dire. Parce que, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mange, mange quoi? Pardon, c'est moi alors. Hmm? Les éléments de...
nous donnons le rapport après qu'on va lutter. Le Seigneur n'a rien là-bas. Pas cochère, vendeuse de viande. Mais le poulet fumé, hein. J'ai vu un riz là, c'est quoi? C'est le. J'ai vu un riz, c'est le riz au chou. J'ai vu ça. C'est quoi comme riz? Ah bon, hein? Donc, on a sauté. Hein? Je veux ça un peu. Et j'ai vu les légumes là-bas en bas. Zoa, Fakochère, vendeuse de viande. Elle achète le porc et pique, elle nettoie, elle coupe les morceaux, elle vend pour avoir, pour gagner sa vie. Vendeuse de sacs frélatés, elle achète. Hein? Pas les légumes là. Les légumes. Oui, les légumes européens là. Les courgettes. Non, pas ça. Les courgettes. Elle achète ça à 15 000, elle vient vendre à 100 euros. Elle escroque les Camerounais, c'est cassé. L'autre, Pipi. Depuis 2020, on cotise pour atteindre 5 000 euros pour qu'elle ait un fonds de commerce. Et l'autre, si c'est le remède, voilà. Depuis qu'elle a goûté l'argent avec Fleur de Lys, Fleur de Lys l'a abandonné. Elle est devenue folle. Maintenant, elle négocie l'acte de mariage avec son frigo. Vous voulez que je réponde à quoi? Vous attendez à quoi? Il y a viande grillée. C'est avec le champignon. Oui. Vous voulez qu'elle réponde à quoi? Elle répond pas à ça. Elle répond à quoi? Hein? Ce n'est pas les mêmes gens qui ont formé les. Comment ça s'appelle? Le village des ténébreux. Et Pipi était la patronne. Ça a donné quoi? Ça a plutôt propulsé Flore. Vous avez déjà vu que quand Dieu est pour vous, même Satan fait votre. Merci maman. Quand Dieu est pour vous, même Satan fait votre publicité. Satan fait votre publicité. On ne répond plus à rien. Soyez au front. Kadhafi ne répondait pas aux petits pays. Kadhafi ne répondait pas. Comment vous voulez qu'il réponde? Au sans-papier. On fait quoi avec le sans-papier? Qui attendait éventuellement un rendez-vous pour demander le visa? On fait quoi avec ça? Veillez, Madra. Veillez. Ne me dites plus. Ne me dites plus. Sachez seulement que je suis prête. Elle ne savait peut-être pas que j'étais prête. Bonjour. Mais je suis prête. Ne venez plus me répéter ça, ça m'intéresse même pas. Parce que j'ai besoin de beaucoup travailler pour garder mon standing. Si mon standing baisse là, c'est là où elles vont m'avoir. J'ai besoin de concentration pour avoir mon standing. Vous avez compris. Ne venez plus me dire les trucs. Moi, je ne suis plus là-dedans, j'arrête.
Le peu qu'il s'est dit, c'est beaucoup. Avec lui, cache le sexe du bébé qu'elle portait tous les jours. Pas. Je ne sais pas comment vous faites pour écouter cette femme. Hein. Je ne sais pas comment vous faites pour écouter Zoa. Merci la rose noire. En fait, ils ont fait. J'ai pris le filet de bœuf. C'est fait aux champignons sans crème. Avec du vin. Ils ont fait du riz pilaf. Et ils ont grillé les aubergines. Les aubergines grillées, c'est très bon, la rose. C'est très très bon, le riz pilaf. Ouais. Mais genre, laissons-les. Laissons-les. Apollonie Guanoma dit quelque chose. On va lancer un blog. On va faire des belles choses. Je mets en place avant d'aller en Europe. Et quand j'arrive en Europe, je ferai des shopping, du shopping, en fonction de notre blog. Vous avez compris. On va s'amuser en vrai. Vous savez, mon maquilleur, il était là hier. C'est lui qui maquille toutes les grandes dames de Yaoundé. Toutes les grandes dames, les épouses, les ministres, toutes. Il me dit que quand il est arrivé chez une, elle était en train de suivre mon live. La dame était morte de rien. Il me dit vraiment, Madame Chapuis, j'ai trouvé Madame Telle en train de suivre votre direct. Loïc, si tu ne manges pas, tu attends dans la voiture, tu ne peux pas rester là dans cette place, s'il te plaît. Moi, je voulais que tu manges, comme ça tu te reposes une fois après. Moi, te laver dans la suite, non. Ok. Vanessa, j'ai dit, on va partager plein de choses. On va partager plein de choses. Car, je vous dis, on va partager énormément de choses. Vous allez voir. Après, il faut que mes gens, j'ai été intégré. Monsieur Chapuis a veillé sur mon intégration. Monsieur Chapuis a veillé sur mon intégration en Europe. Toutes celles que vous citez là, c'est des villageoises. Des villageoises. Elles ne servent à rien. Bibiane. Tu es woke, Bibiane. Courage à toi. Vous me citez le nom des femmes. Remé Buella, elle est noire. Elle ne fait pas le jansan, mais elle a quatre couleurs sur le visage. Elle a quatre couleurs sur le visage. Quatre. Regardez bien le visage de celle-là. Son front, on dirait le front du bouc. Vous connaissez le mouton, le bouc. Celle-là vient prononcer mon nom. Une qui m'a cherché au Cameroun avec la torche.
Oui, Guigui. Guigui. Oui, Guigui. Guigui. Quand je marche avec les femmes, tu ne m'apportes même pas. Toi, je rencontre un peu de pied. Je vous dis, elle m'a appelé au moins 300 fois. Elle a même répondu. Elle croit que parce que tu es sur Facebook, quand elle arrive ici, elle répond à elle voulait me voir absolument. Parce que moi, je rencontre des choses comme ça. Aujourd'hui, elle est au village de Ténébé. Elle se dit intelligente. Et que les gens sont partis de là pour venir me dire de laisser Lolo. Voilà Lolo qui fait dans la réunion avec Zoa. Pour mon nom. Voilà. Après, quand je vais répliquer, c'est ma réplique qu'on verra. Hein. C'est ma réplique qu'on verra. On ne verra jamais qu'ils ont fait les réunions contre moi. Hein. Les gens, vous savez, bonsoir Pascaline Reine, bonsoir princesse. J'ai demandé à toutes ces bordels-là d'amener leurs enfants en vacances. J'avais même mes enfants qui sont majeurs, qui avaient une semaine de vacances. Ils étaient en vacances chez leur père en Suisse. Et c'est leur père qui a tout payé les vacances. Ils ont passé une semaine avec leur papa. Ils vont aller passer maintenant une semaine avec leurs amis. Ils ont deux semaines de vacances. Ils rentrent aujourd'hui et ma fille va en Grèce demain matin avec son copain. Et mon fils aîné, lui, va à Miami, avec un groupe d'amis. Ils vont tous ensemble, pour une semaine. Ma fille, elle, elle va en Grèce. Ils étaient d'abord chez leurs parents. Dites à Pipi que l'enfant qui lui a fait avoir les 1 an frélaté qu'elle a là, qu'elle prenne cet enfant, elle l'amène même au sud de la France, même pour une semaine. Parce qu'elle a rentré. Mais Jean, c'est là où la frustration des enfants commence. Hein. Rose Kamé, tu as tout dit. Tu pars en vacances, on voit. Elle dit la joie comme ça. Dans le nouveau blog qu'on va lancer, ça va concerner de belles choses. On va parler de ça dans les prochains lives. On le lancera quand je suis en Europe. Regardez ce jour prélaté. On lancera ça quand je vais en Europe. Voilà. C'est ça.
Maïso, c'est moi. Ça va. Excusez-moi, je ne veux pas le dessin. Oui, on va faire un nouveau projet. Dieu aux femmes de Njapabla de ne plus m'apporter au Congo ça, parce que je suis toujours tenté à réagir. Alors que j'ai déjà vraiment fait mes preuves, j'ai déjà prouvé par A plus B qui est qui. Voilà. C'est ça. Je n'ai pas vu Rose Kamer, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu, je ne sais pas sur quel messenger tu as envoyé, ma. J'ai plutôt d'autres pommades, parce que là, la blessure est finie. Maintenant, j'ai trois pommades anti-cicatrisantes que j'applique dessus. J'applique dessus. Mm-hmm. Mais ça évolue bien, ma. Je veux le dessert. Tu as la glace. Oui, deux boules de vanille. Donc voilà. Sur celui-ci, je vais regarder. Mm-hmm. Je vais regarder. Mais ça peut partir. Hein. Vraiment, j'ai beaucoup de chance. Énormément, hein. J'ai beaucoup de chance. Mes jambes... cet accident, c'était grave, hein? C'était vraiment grave. Et qui est. Hmm. Mais ça a pris 8 jours, la cicatrisation était trop lente. Et ça, ça a fait peur. Après, dès que j'ai fait les examens et tout, on a changé le traitement et les antibiotiques que je prenais. On a changé. Je ne prenais plus 1000 par jour, 1000 grammes. Maintenant, j'étais passé à 1000 le matin, 1000 le soir. Oh là. Alors, au bout de 4 jours, c'était parti. Donc, ça s'est bien passé. Maintenant, je traite la partie noire, cicatrisante. Là. On va regarder jusqu'à la fin du mois, jusqu'à ce que je parte. Si c'est que ça tente de ne pas partir, mes gens. Et fais une greffe de peau quand j'arrive en Europe. Je fais la greffe de peau. On enlève sur mon dos, on colle. Et on n'en parle plus. Princesse, c'est comment? Tu as travaillé la nuit et le jour? Tu viens d'arriver. Donne-moi alors le dessert, pardon. C'est ça qu'elle est allée. Non, elle est allée chercher la glace. Je veux la pâtisserie. Je me gâte aujourd'hui. Hein? Cette semaine, ce dimanche, je me gâte. Boss, bonjour. On vient de se réveiller là. Ah bon? Ouais. C'était chaud, non? Vous avez fait un tour à la boîte. On vient de se réveiller. Dit que moi-même, je suis arrivé. La chambre faisait comme ça là. Mais on a descendu les bouteilles grasses. Ouais, je te jure. Mmh. Mmh, c'était bien. De temps en temps, il faut. Mais oui, si tu ne fais pas ça dans la vie, tu vas aller dire à Dieu que le corps qu'il t'a donné, tu as fait quoi avec? Tu dis quoi? Eh, mes gens. Mm-hmm. Oh. Dès qu'elle est finie, là, je ne vais pas faire les ongles, je ne vais pas faire le remplissage. J'ai mis les biscuits sur moi parce que c'est très bon. Les biscuits là sont bons. Ah bon? Ah, c'est fait maison. C'est fait maison ici. Ah bon? Mais. Ok. Mmh. Mais de mes gens, je vais emballer le biscuit si c'est très bon.
Elle a raison. Merci Angèle. C'est froid, mon bébé. C'est bien froid. C'est la classe. Fait maison, c'est bon. C'est vraiment bon. À partir d'aujourd'hui, je ne prononce plus le nom de mes détracteurs. Je ne prononce plus leur nom. Il n'y a que les aveugles qui ne peuvent pas témoigner que si tu cherches Madame Chapuis, tu la trouves. Il n'y a que les aveugles. Il y a un Watissi qui se sent dans M. Chapuis en vrai. Il est exactement comme M. Chapuis. Pour non, c'est plus. Mais s'il y a encore un hic, je réplique. Vous êtes d'accord avec moi, non? Si on m'attaque, je réplique. Donc je ne c'est fini. J'ai fait ma vie. Loïc a appelé le taxi. Peut-être que le taxi est là. Le taxi est venu. Hein? Et tu fais comment? On vient te chercher. Voilà, Salem m'a payé quelque chose sur Internet. Elle te remet son argent. Elle m'a fait un paiement. 12 000. Ah, attends, prends, remets à Hortense. Merci. Ça, il donne son temps. Oui, oui. Oh, ils m'ont encore mis des biscuits. Oh là là. Ma, je vais une cuillerée, s'il te plaît. Là, son moment fait baisser en fait maison. C'est très très bon. On peut même emballer ça, c'est très bon. Est-ce que c'est comment ça les cuire? Il n'y a pas le cuir à café. Marlène, à partir d'aujourd'hui, moi, t'insulte plus. Et dans tes postes, ne m'insulte pas aussi. Je suis pas une villageoise. Merci.
peut-être plus de villageoise. Respecte-moi, parce que je mérite du respect. Arrête de me rabaisser. Parce que j'ai un parcours respectable. J'impacte beaucoup de gens. Donc ne me rabaisse plus jamais. Et ne traite plus, ne mets plus jamais la bouche sur mon mari. Ne mets plus jamais la bouche sur mon couple. Et ne juge plus jamais mon couple parce que tu ne peux pas juger ce couple. Ne me rabaisse plus jamais parce que j'ai un parcours respectable. Si tu respectes ça, on est tranquille, chacun est de son côté. Comme tu l'as si bien dit, quand tu m'as déposé la plainte, tu croyais que ça allait se calmer. Mais quand tu m'as déposé la plainte, toi-même, tu n'étais pas calmé. Et tant que tu ne te calmes pas, je ne me calme pas. Même si tu peux déposer la plainte chez le ministre de la Justice, je dis le ministre de Justice, et que tu continues à m'insulter, je vais t'insulter. Comme tout le Cameroun sait que tu as déposé plainte. Qu'est-ce que ça peut me faire? Ah, c'est chose qui... impact sur... moi aussi, jusqu'à maintenant, je croyais que tu as compris qui je suis. Tu dis que tu veux réparation. Même si tu ne vas pas me mettre en prison, tu exiges la réparation, donc je te paye. J'ai bien compris le message. J'ai très bien saisi le message. En fait, tu es parti porter plainte pour que je te guide les deux. Même si on ne me met pas en prison, que je sois jugé et que je te baille. J'ai bien compris le truc. Donc, quand c'est comme ça, ne m'insulte plus. Ne m'insulte plus jamais. C'est ça qui est ça. Et toutes les griots là qui font les réunions à mon nom comme Facochère, ma brosse à dents, la voleuse de bébé. Le dommage que j'ai pour causer est dommage. La voleuse de bébé vient aussi faire la réunion à mon nom. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand deux femmes qui ont du caractère font des problèmes, elles se testent de caractère. Après, comment on avance ça? Merci. Quand deux femmes qui ont du caractère s'affrontent, et que les problèmes finissent, le jour que ces deux femmes, si un jour elles doivent devenir des amies, ça sera les meilleures amies du monde. Ça sera les meilleures amies du monde. C'est comme quand vous allez à l'école. À chaque fois, il y a les attaques entre deux enfants, l'attaque entre deux jeunes. Le jour qu'ils bagarrent en vrai, ils bagarrent, qu'un tape l'autre, ou bien ça sort babasse, que l'autre rentre avec les bosses, l'autre aussi rentre avec les bosses, ça sera les vrais amis. Parce que quand vous voyez là, ce que nous avons là, en fait, c'est que personne n'accepte d'être rabaissé, hein. Gars, surtout quand tu sais ce que tu veux. Quand tu reconnais quand même que ton parcours n'est pas merdique. Mmh.
Vanessa, tu as tout compris. Mais quand j'ai dit ici, elle a dit ça dans le live, je ne sais pas si c'est de ce matin ou hier, je ne sais pas. J'ai dit ici que dans ma plaine, j'ai versé les clashs. Tous ceux qui ont clashé, merci. Cette femme, elle a porté plainte à personne, c'est Chapuis. Ça veut dire qu'elle reconnaît que elle a reconnu que c'est celle-là qui a les dos. Elle a dit dans le live hein, que même si elle ne me met pas en prison, ça veut dire que là où elle est déjà consciente qu'elle ne peut pas me mettre en prison, je dois la dédommager, je dois la payer. C'est ce qu'elle a dit. Mais, tu sais, Rose, tu vas voir qu'elle tu seras ma meilleure pote. Malin sera ma meilleure pote. Ma petite soeur là sera ma meilleure pote. Ça, c'est ma force. Parce que les gens prennent trop les choses au premier degré. Gab Alain dit que j'ai mauvaise haleine. Gars, cependant qu'elle dit là, si un Joe qui voulait s'intéresser à moi, ça casse. Et que le Joe là est allergique à la mauvaise haleine. Gars, il va me regarder. Je vous dis. Il va plus me regarder. Quand il dit que cette mauvaise haleine, c'est dû que ça vient du ventre. Tout gars, le gars qui voulait peut-être même s'intéresser à moi peut dire que merde. Si la mauvaise haleine peut donner cette odeur, ça veut dire que l'angassie même doit appuyer sur le lit. Est-ce que vous rendez compte? Vous vous rendez compte de ce qu'on peut décrire d'une femme? Là, elle s'adresse pas à un homme, hein? Elle s'adresse à une femme qui est visiblement soignée. Quand vous êtes une femme et qu'on vous dit ça, c'est extrêmement grave. Merde. Moi-même, je l'aime bien, non? Moi-même, je l'aime bien. Il faut seulement qu'elle arrête de rabaisser les gens. Sachant que chacun, même si toi tu fais même seulement le ménage là, que tu n'as même pas le BPC ou le CP comme elle dit, qu'elle n'est pas le BPC. Je suis quand même quelqu'un dans ma famille. Je représente quelque chose dans la famille et ça, il faut respecter ça. Tu ne peux pas rabaisser quelqu'un que parfois, honnêtement, beaucoup de gens me demandent toujours mon niveau d'études. Parce que quand les gens voient comment j'écris, comment je réfléchis, comment je parle, les gens prennent souvent sur eux, surtout en Europe, en Suisse, de demander, Monsieur Chapuis, votre femme, à quel niveau d'études? Et que quelqu'un, elle vient me descendre devant les gens qui me respectent. Il y a les amis de... Il y a plein de gens qui me suivent. Tu dis que je n'ai même pas le BPC. Attends. Sachant que le tout premier président du Cameroun n'avait pas le BPC. Oui, Malène a reconnu que j'étais une belle femme. Mais est-ce que il y a des choses, mes gens, que tu es forcé à reconnaître? Parce qu'elle m'a vu en face. Après tout ce qu'elle peut dire en bas, elle l'a reconnu. Mais Jean, est-ce que je ne suis pas une belle femme? Est-ce que je ne suis pas une belle femme? Je suis très belle femme. Avec l'éloquence, avec la prestance, l'élégance et la suffisance. Quand je veux être suffisante, je suis suffisante. Elle n'a même pas besoin d'aller dire qu'elle porte plainte, c'est que préjudice. Elle me dit seulement, elle m'appelle, elle me dit que gars, comme toi, tu as dit là qu'il y a les problèmes. C'est toi qui vas alors m'enlever des problèmes là. Au lieu d'aller traîner devant le tribunal et tout et tout. Tu m'as insulté. Moi aussi, j'étais insulté. Parce qu'il faut déjà qu'elle le reconnaisse aussi.
Mais voilà, on est de la diaspora. On peut regarder les choses autrement. Merci. On peut regarder les choses autrement. Elle peut le dire comme ça. Mais Jean peut le dire comme ça. Vous parlez de quoi? C'est parce que vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas. Même l'enquêteur a dit que quand il est parti, quand son chef a appelé, il espérait nous laisser rentrer, nous trouver que bon, on a décidé de gérer le conflit entre nous. Ce que l'enquêteur a dit, puisque même dans ma déposition, voilà, j'ai dit qu'au lieu de se livrer à ça, on aurait pu faire autrement. Moi, je l'ai dit. Mais Jean, je trouve la place pour avoir de la haine dans mon cœur. Je trouve de la place pour avoir de la haine. Mais là, honnêtement, moi, je ne vais plus. Je ne vais plus. Hein? Comme elle le dit si bien, elle est ma petite sœur. Depuis quand une petite sœur peut insulter une grande sœur? C'est derrière ça. On est des bantous, comme elle le dit. On est bantous, tu n'as pas insulté ta grande sœur. C'est tout. Donc, quand tu insultes ta grande sœur te traite. Ma, vous êtes combien là? Hein? Dans ma scène. Tu peux pas faire tout un live. Tu t'accroches seulement que l'âge de quelqu'un, l'âge de quelqu'un, l'âge de quelqu'un. Mais Marlène, écoute, moi j'ai 3 enfants. J'ai 3 enfants parfaitement scolarisés et indépendants aujourd'hui. Ils sont autonomes. Hein? J'ai un parcours. J'ai 20 ans de mariage, de mon deuxième mariage. Le premier mariage, je l'ai fait à 16 ans. J'ai fait mes 3 enfants. Mais attends, tu crois que je vais demeurer avec l'âge de... Merci. Tu crois que je vais demeurer avec l'âge de 18 ans ou 25 ans? Donc, en fait, les années passent pour tout le monde et ça patine pour Madame Chapuis. Tu devrais même trouver que je suis très belle. Parce que 3 gosses comme ça, et puis avoir un ventre plat, avoir des cuisses fines. Et moi, je te dis, je suis ridée parce que j'ai fait le Jansan. Hein? Et toutes tes copines qui sont sur Facebook. Tu crois que si j'étais en Europe, tu allais apercevoir mes rides, non? Ça, c'est le Njansan. Moi, je te dis, je suis une très, très belle femme. Ça, je te le dis. Ma mère, quand ma mère était vieille, quand ma mère, ma maman, c'est ma maman était Miss Fumban. Ma mère, on appelait ma mère Jacqueline Miss. Parce que moi, j'ai le diminutif du prénom de ma mère. Ma mère s'appelait Jacqueline. Moi, je suis Jackie. Ma mère était la Miss de Fumban. Quand le président Aïdjo venait à Fumban, c'est ma mère qui sélectionnait les hôtesses pour accueillir le président à Fumban, Aïdjo. Hein? Ma mère avait les jambes comme une girafe. Tu n'as pas besoin de me dire, je sais que je suis une très très belle femme. Je vois quand même les gens qui m'accostent. Je vois quand même les gens qui essayent de me... comment dire, courtiser, toi qui as fait l'école. Hein? Hein? Ta mère n'était pas comme ça il y a 20 ans. Toi-même, tu n'étais pas comme ça il y a 20 ans. Tu n'étais pas comme ça il y a 20 ans, il y a 10 ans. Hein? Faut pas faire comme si quelqu'un a choisi. Ta manière de me traiter, c'est comme si les années ne passent que pour moi, en fait. Les années ne passent pas pour toi. Hmm? C'est pour ça que moi je ne vais jamais divorcer. C'est pour ça que je ne vais jamais divorcer. Je ne vais jamais divorcer parce que mes premières traces, c'est entre les mains de mon mari, réciproquement. Hmm?
Mon mari ne va jamais me dire que chérie, tu es vieille. Parce qu'il sait très bien que nous avons fait tout notre parcours ensemble. Hein? C'est de la pure connerie pour une femme comme toi qui est éduquée, qui a de. Et surtout que moi, sur la toile, j'ai livré, j'ai marqué mon passage par un combat digne de mon âge, digne de ma classe. Hein? Il fallait être là quand l'enquêteur m'entendait. J'ai livré un combat digne de mon âge, digne de ma classe. Je ne suis pas arrivé sur Facebook pour me pavaner et porter les mini-jupes. Non. Non. Malgré que j'adore la mode, toi-même, Marlène, tu vois comment je suis. Je rigole pas. Je mets les vêtements qui vont avec ma génération, avec mon âge. Hein? Tu ne peux pas tous les temps, tous les jours, tu me parles. Mais non, tu exagères. Tu exagères. Et puis, je ne discute avec personne. Hein? Je ne suis pas en train de chercher un bébé pour que tu dises « Oh madame, vous êtes bien, vous ne pouvez plus faire un bébé. » Je ne suis pas en train de chercher un mari pour que tu dises « Oh là là, tu n'auras pas assez de chance parce que c'est trop tard pour toi d'avoir un mari. » Mais s'il te plaît, les écans, pas les écans, pas les vrais écans, les vrais écans, il y en a qui ont décidé de m'enlever chez le blanc. Et de m'épouser chez le blanc, que tu ne peux pas, tu ne peux même pas imaginer. Ce n'est pas les choses que Zoa raconte là, que est aimé et tout ça, non. Ce n'est pas les conneries qu'elle raconte là. Si je te dis, tes oncles Betty, qui ont tout fait pour me faire sortir de chez le blanc, tu vas être scandalisé. Mais je te le dis, je te rassure. Pour rien au monde, je ne divorcerai. Je suis pour rien au monde. Mon mari, c'est ma vie. Même si c'est un milliardaire qui vient, que c'est comme ça. Pour rien au monde. Jamais je ne divorcerai. Hein? C'est ça. Moi, je te parle. Hein? Tu es ma petite soeur, c'est clair. Ne crois pas que tu m'as fait mal quand tu as dit que mon soutien était hypocrite. Moi, je ne joue pas sur Facebook, je ne suis pas dans une team. Et tu as dit hypocrite parce que tu estimes que je m'entends avec Flore. Je ne savais même pas que tu ne t'entends pas avec Flore. Le rapport que je peux avoir avec toi, ce n'est pas le même rapport que je peux avoir avec Flore. Hein? C'est pour ça qu'on dit que même si tu as fait l'école, comment? Tant que tu es encore vraiment enfant. Wabel qui Fagnam. Et c'est avec le Fagnam que tu dépasses. Fagnam, Maloroi et Fagnam. Marlène, je m'adresse à toi. Tu es donc ma petite soeur. Est-ce que tu me respectes en tant que grande soeur? Parce que tu ne fais pas confiance en moi et tout. Je ne demande pas que tu me fasses confiance. Mais les gens qui m'approchent me font tellement confiance. Et ce n'est pas les enfants du quartier. Ils me font tellement confiance. Et tu devrais te poser la question. Si ce n'est pas les préjugés que tu as. Moi, je ne suis pas moqueuse. Hein. Je ne suis pas moqueuse du tout. Parce que toi, tu as peut-être eu la chance d'avoir une enfance en or. Mais s'il te plaît, quand tu perds tes parents, quand tu perds ta mère et que ton père est polygame, et que tu vois toi-même que si tu n'as pas une grand-mère qui va s'occuper de toi, tu n'es rien. Tu peux imaginer. Tu as compris. Tu peux imaginer. Fais très attention. Faut pas. Tu extrapoles dans tes mots. Tu es très très vicieuse et tu es très violente dans tes mots, dans tes rabaissements. Tu rabaisses énormément. Et moi, je ne peux pas accepter que tu me rabaisses dans mon parcours que j'ai eu difficilement, Marlène. Mon parcours n'a pas été le gâteau que je suis en train de manger là. Non. Je suis tombée, me suis relevée seule. Je suis tombée, me suis consolée seule. Et je n'accepte pas que tu manques du respect à ça. Voilà. Quand tu peux dire devant les gens que j'étais à côté de toi et que j'ai une mauvaise haleine, tu sais ce que ça fait dans la vie d'une femme? Tu sais ce que ça fait dans la vie d'une femme? Tu dis ça à une autre femme, là où elle va t'arrêter, elle va te déchirer avec les mains. Hein? Parce que tu ne dis pas ça dans ta chambre, tu dis ça devant je ne sais pas combien de personnes. Après, tu es la première à pleurer qu'on t'a insulté devant tel nombre de personnes. Hein?
Mais comme je sais que c'est faux, c'est pour me salir, parce que tu as un intérêt, c'est de me salir. Mais moi, je vais te dire aujourd'hui que moi, j'arrête de t'insulter. J'arrête de décrypter tous tes trucs que tu publies. Mais ne dis pas que j'arrête. Je ne dis pas que j'arrête parce que j'ai peur de toi ou bien parce que la guerre me dépasse. C'est parce que chaque chose a un début et une fin. Et comme je suis dans ton aîné, j'ai décidé d'arrêter parce que normalement chez les Bamoun, c'est toi la petite soeur qui devait arrêter. Chez les Bamoun. Mais comme il n'y a pas cette éducation ici chez vous les Ekans, je te dis, moi j'arrête. Voilà. Et qu'on s'ignore. On s'ignore complètement. Parce que si tu vas au tribunal, tu ne vas pas me gagner. Je te lance un défi. Tu ne me gagneras pas. Parce que même si c'est un homme qui est face, qui est juge, et qu'il écoute comment tu me descends dans les vidéos, il n'acceptera pas. Même si c'est une femme, elle n'acceptera pas. Ça sera baba, si tu as insulté, elle est insultée, c'est comme ça. Voilà. Tu as vu que personne ne m'a dit d'arrêter. Hein? C'est moi-même qui ai décidé d'arrêter. Et ma vie, c'est comme ça. Malin, quand tu me vois travailler au Cameroun, c'est parce que c'est toi qui fais même que me vante avec le revenu de mon mari. Si tu connaissais qui je suis une femme autonome. Quand tu me vois bosser au Cameroun, ne dis pas que les milliards et tout et tout. Malin, tu peux me voir, je peux m'asseoir avec toi comme ça. On te sort le montant que j'ai, tu n'en reviens pas. Oui. Je suis qu'un milliardaire qui est en location. C'est Chapuis qui va me construire la maison au Cameroun. C'est Chapuis qui me construit la maison au Cameroun. Moi, je ne peux pas être une belle femme comme je suis là, que je suis mariée à un blanc et je viens construire. Bonjour Nathalie, je suis pas être belle, je peux pas être belle femme et que j'ai été la femme de haut cadre pendant 20 ans et je viens construire la maison au Cameroun avec mon argent. Mon argent c'est pour mes enfants, c'est pas pour construire la maison. Quand j'appuie, comme il ne peut plus venir entrer dans l'appartement là, il va seulement construire au Cameroun. Gumiya belle qui fait mon belle forêt. Il y a un homme qui a malonda, un tarnas ou tabo. Donc, il y a une cour ici, malonda, il y a un malin, Non. Je ne prends pas mon argent pour construire la maison avec. C'est le blanc qui doit, mon mari qui doit me construire la maison. Parce que c'est pas parce que malin me dit que tu n'as pas la maison, je ne sais pas, me dit que tu n'as pas la maison, que je vais taper la poitrine et que je ne vais pas construire pour vous faire satisfaire. Non. Mais donc, c'est pour mes enfants. C'est tout. Pour que mes enfants ne manquent de rien. Pour que mes enfants ne se cassent pas le cul. Comme moi, je me suis cassé toute ma vie. Donc, quand tu t'attaques à ça, je ne peux pas te pardonner, princesse. Je ne peux pas. Je suis violent. Je suis très violent dans les mots. Tu as compris. Donc, c'est ce. Moi, je ne suis plus avec toi. Pour moi, tu n'existes plus. Moi aussi, et toi aussi, je ne dois pas exister pour toi. Tu as dit que j'avais ton WhatsApp. Considère que je n'ai pas ton WhatsApp. Considère, Marlène, que je n'ai pas ton WhatsApp. Parce que moi, j'aime les gens qui sont pleins d'amour. J'aime les gens qui acceptent la vie telle qu'elle est. J'aime pas les gens hautains. J'aime pas les gens... parce que je ne suis pas comme ça. Respectons-nous tout simplement. On ne peut pas être amis, mais respectons-nous. Voilà. Moi, quand je suis arrivé au niveau où je suis arrivé avec toi, ça ne peut plus aller. Vous pouvez poser la question à Marie-Paul. Quand ça s'est passé comme ça s'est passé, beaucoup de gens, plusieurs personnes, elle a demandé la paix. J'ai dit, je lui donne la paix, mais plus jamais. C'est comme ça que je suis. Moi, je ne suis pas... De ce côté-là, moi, je n'ai pas pris ça chez les bêtises.
Parce que les bêtises, c'est que vous finissez de bagarrer, vous tapez la poussière, vous buvez la bière à deux. Non. Moi, quand on a bagarré, c'est fini, c'est terminé. On doit se respecter. Tu dois respecter mon parcours. Tu respectes la femme que je suis. Et moi, la même chose. Tu sais très bien que j'étais depuis l'Europe, tu m'as toujours manqué. Je ne t'ai jamais répondu. Parce que parce que j'avais la... je n'avais jamais eu le ras-le-bol pour te répondre. J'étais encore comme ça là, sur la toile. Moi, je ne peux pas accepter. Mais moi, je te dis, tu n'entendrais plus parler de moi. Que moi aussi, je n'entendais pas parler de toi. C'est tout. Tu as déposé plainte, comme tu as dit, au parquet. Moi aussi, j'ai déposé plainte au parquet. Suite à tout ça, ma plainte a été prête et c'est monté vendredi. Jeudi. C'est monté vendredi matin. Donc, c'est là-bas qu'on va faire la jonction de procédure. C'est tout. Tu as vu pourquoi arrêter maintenant? C'est parce que l'affaire est en justice. L'affaire n'était pas déjà en justice. Tu n'as pas entendu ma procédure. Tu n'as pas entendu ma conclusion. Voilà. Tu as donc entendu. Et maintenant, je vais te bloquer. Voilà. Tu crois que qui a peur de la justice? Tu crois qu'il y a peur de la justice? Si j'avais peur de la justice, j'allais déposer plainte vendredi. Je l'ai déjà bloqué, non? Je l'ai déjà bloqué, je sais même que c'est qui. Voilà. Je m'en vais chez l'esthéticienne. Je l'ai déjà bloqué depuis la rose. Elle est déjà bloquée. Ok. Oh là là, j'ai mangé. Hein. Merci pour les gâteaux. À demain. Non, c'est un peu ça. C'est ça qui est ça. Ça ne chauffe pas. Mais avec Facochère, je continue. Parce qu'elle, c'est ma brosse à dents. Facochère, je vais continuer avec elle. C'est tout. Parce qu'elle, elle ne mérite même pas. Parce que elle, pour elle alors, c'est même pire parce que elle est même déjà même. C'est même d'abord une illettrée. En plus, une djoksa. Une villageoise. Une paysanne. Quand elle fait les. Attendez, je vais déposer mes gâteaux dans. Je vais déposer mes gâteaux dans le. Dans le frigo là. Je supprime le message de cet animal. C'est tout. Nathalie Gacha, ma princesse, qui a dit que quand tu es une belle femme, 1m70, qui a dit ça? Que quand tu es une belle femme, c'est toi qui dois construire la maison dans ton, au Cameroun. Donc je work mes dos. Je work mes dos. Au lieu de mettre... Bon, qu'est-ce que je prends ici? Non. Bon, je prends une serviette. Voilà. La grand-mère, hein? Elle n'est pas ménopausée, hein? Vous avez compris? La grand-mère, elle n'est pas ménopausée, hein? Vous allez continuer à bavarder ce que vous bavardez dans votre vie. C'est pas ça qui est un souci pour vous.
C'était juste... voilà. Allez dire à Zoa que là où elle est là, Lambert a dit qu'il a trouvé. Donc, ça fait 3 ans qu'elle ne voit pas les règles. Allez dire à Zoa. Voilà. Voilà, je prends ma serviette. Donc. Toutes les femmes de Bengla qui viennent construire, c'est la Oura. Elle ne me voit pas. Je ne me vois pas. Bonjour. Merci. Je le salue tous les... Il me salue tous les jours avec respect. Je vais, leur donner une fois le soir. Eux tous. Je voulais lui donner l'argent, mais elle est seule. Je préfère lui donner quand ils sont 2, 3. Comme ça, c'est réuni. Une fois. Oui. Ma mère avait dit que quand tu es mariée, c'est l'homme qui doit construire la maison. Une femme mariée n'a pas à travailler et construire la maison. Non. C'est ça. Une femme mariée, tu n'as pas à construire la maison. C'est pas possible. Que tu as trouvé l'argent. Donc je vois mes dos comme ça. Au lieu de bailler les appartements à mes enfants, je viens construire la maison que moi je vais habiter. Avec mon mari. Avec mon mari. Hé! Hey! Mes gens, est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on me dit de faire là? Je vous ai déjà dit de me suivre. Suivez comment moi je fonctionne. C'est ça qui va vous aider. Je ne peux pas faire que je suis restée avec mon mari. On a travaillé toute notre vie. Et vous me dites que c'est moi qui dois construire la maison au Cameroun. Alors qu'on est censé, les deux, être au Cameroun pendant l'hiver et être en Europe pendant l'été. Ça veut dire que la maison du Cameroun, à la fin du mois, je viens à la fin du mois, ça veut dire que la maison du Cameroun, est... Mais Jean, la maison du Cameroun, c'est aussi la maison de M. Chapuis, non? Hein? Qui vous a dit qu'il ne faut pas réfléchir? Est-ce que la maison du Cameroun, ce n'est pas la maison de M. Chapuis, mes gens? Hein? C'est la maison de M. Chapuis? Mes gens? Alors? Attends. C'est tout ce que je pourrais faire. Tu sens que c'est mon fils chéri qui a connu. C'est impossible, mes gens, que marié depuis 20 ans, que je me lève et je dis que je construis la maison avec mes dos. Non, c'est impossible. Ça veut dire que je suis poisseuse. Hein? Chapuis a déjà la maison en France. Nous avons la maison en France. Le pilier là. Hein? Les piliers là, mes gens, c'est pour acheter ici au Cameroun. C'est pour construire ici au Cameroun. Et l'argent que j'ai, je travaille, je mets à disposition de mes enfants et de mes petits-enfants, mes prochains petits-enfants. Il faut que quand ils commencent à faire leur bébé, qu'ils soient au moins propriétaires en France, qu'ils n'aient pas à payer les loyers. Vous avez compris avec quoi? Quand vous me voyez au Cameroun, je travaille pour mes enfants, ce n'est pas pour moi qu'ils travaillent. Parce que j'ai déjà travaillé pour moi avec mon mari. Vous venez me dire qu'il n'est pas de maison au Cameroun. Qui a dit que c'est moi qui dois construire la maison? Moi, la seule chose que j'ai dite à M. Chapuis, c'est que ce que je vais lui offrir, c'est le terrain. Ce que je lui offre là, c'est le terrain. Il vient poser la maison sur ça. C'est tout. Parce que je suis une belle femme. Hein? Je suis une belle femme. Oui, et c'est lui qui a
qui s'est accaparé de ma beauté. Donc tu t'accapares de ma beauté. Que vous pouvez m'avoir 3, 4, 5 gars comme ça là que j'ai. Tu t'accapares tout seul. Tu mets la bague. Et moi maintenant, je commence donc maintenant à chercher l'argent pour construire la maison. Et que j'ai l'acte de mariage. Et qui est mes gens, partagez. Moi je serai votre coach. C'est le nouveau blog. Ça sera votre, je serai votre coach. Un homme qui te met la bague, qui t'épouse, ça veut dire qu'il prend ta vie en charge, il prend tes problèmes en charge, il prend ton avenir en charge. C'est ça qui est ça. C'est pas qu'il prend ton avenir, il te confisque ta vie. Et c'est toi qui dois venir commencer les cotisations pour dire que j'ai investi. Tu investis parce que tu n'as pas un homme. Une femme qui a un mari, c'est l'homme qui a investi pour toi. C'est ça. Hé, maman. Donc là où je suis là, je prends le stress que je construis là. C'est pas moi. C'est pas moi. Non. Et je vois derrière la gendarmerie partout. C'est comme si mon père va. Il dit que hein, la garde républicaine, là, les gars là sont les dragueurs jusqu'à. Il tourne la tête. Ah, le président arrive aujourd'hui. Le papouna arrive là. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire n'importe quel mariage. Il faut épouser un homme qui est fou de vous. Un homme qui vous aime. Un homme qui ne peut pas vivre sans vous. Mais si tu épouses un homme que tu t'es battu à l'avoir, comment tu vas lui poser les conditions? Hein? C'est pour ça que je vous dis que quand vous arrivez à Meng, vous-même vous épousez les Camerounais, vous attendez à quoi? Vous attendez à quel avenir? Hein, je m'adresse à mes filles. Vous attendez à... Voilà. Les gens. Ce que je fais, c'est que je laisse déjà ma serviette ici. Parce que je vais laver ça. Laisse déjà ça là. Je mets ma carte de banque. Ici, où je viens faire les ongles là, vous savez, on paye avec la carte bancaire. Hein? Tu peux payer avec la carte. Quand ma soeur dit qu'elle m'a vu retirer là, moi, je paye avec la carte. Ici, là, on paye avec la carte bancaire. Donc, vous allez voir un peu le stand-in pour ceux qui sont à Yaoundé, celles qui sont à Yaoundé, si vous voulez vous faire un bon soin de visage. Et des beaux ongles. Je vais vous montrer le stand-in. Bonjour, ça va? Merci. J'espère que j'ai de la place. J'ai pas réservé. Vous allez trouver ta place. Bienvenue à vous, madame. Merci, merci. Bonjour. Ça va? Ok. J'ai de la place. Pardon? Combien de temps? Ça dépend. Combien de temps? Moins de 10 minutes? Ok. Ouais, c'est le rouge. Maman. C'est le rouge sans aimé aujourd'hui. Le rouge sans que je mets aujourd'hui. Le rouge. Rouge, rouge, rouge sans. C'est ça que je mets aujourd'hui. Comment vous trouvez ma perruque? Comment vous trouvez ma perruque? Vous la trouvez comment? J'ai eu deux cadeaux de perruque.
J'ai eu deux cadeaux. C'était quand exactement. J'ai eu deux cadeaux. Deux perruques. Mais Jean, ça c'est la perruque offerte. Offerte par ma marraine. Tu as vu ça? Offerte par ma marraine. Ça, ça peut faire trois perruques. Mais Jean. Et celle que j'avais avant, elle, il y a deux jours, c'est elle qui m'a offert aussi ça. Elle m'a offert celle-ci aussi. C'est magnifique. C'est pour vous dire quoi? Quand j'ai des gens qui m'adorent comme ça, la haine va venir faire quoi dans mon cœur? Je n'ai pas de place pour la haine. Je n'ai pas de place, mes gens. La haine ne me ressemble pas. J'ai des gens qui m'aiment, qui m'adorent. Qui m'adorent. J'ai des gens qui m'aiment. Envoyez les cœurs pour ma marraine. Je suis comme ça. Est-ce que vous savez que Mehdi, est-ce que tu sais que tout le monde me pose la question que tu viens de me poser? Tout le monde me pose la question. Tu crois que je ne me repose pas? Je me repose. Je me repose. Je me repose. Attendez, je vais brancher le coup. Princesse, vous pouvez me brancher ça juste? J'arrive pas. Merci. La classe ici, c'est que partout où tu es assis, tu as une prise de téléphone. Merci, c'est bon. C'est quoi? C'est bon. Tu touches le genou quand tu te lèves, à quel âge? Moi, je ne touche pas encore mes genoux quand je me lève. Elle ne veut plus voir ça. Tu fais du sport. Mais tu vois ça? Tu te lèves en touchant le genou. Il faut marcher. Donc, comment tu peux dire que je me repose quand je commence? Je me repose. C'est que je vais te donner le secret. C'est que j'ai passé au moins 5 ans de travail au Cameroun, à toi. 5 ans. Sans rien gagner. Mais toujours en train de mettre l'argent. Mettre l'argent sur 5 à 6 ans. Vous avez compris? 5 à 6 ans. Et aujourd'hui, je commence à gagner. Je commence à gagner. C'est ça qui est la vérité. Et quand les gens vont me voir, les gens me voient gagner, ils disent clairement que non. Alors que... Bonjour, ça va? C'est quoi? Tu t'es libéré? Maximum. C'est toi qui t'occupes de moi. Ok, ça marche alors. Hein, mes gens, 5-6 ans sans rien gagner à faire, à investir, à mettre l'argent. Maintenant qu'elle commence à gagner, les gens vont seulement dire que le RDPC, à sans savoir, quand vous dites moi, je vais seulement accepter, elle va seulement accepter, dit que oui, le RDPC me donne. Comme les facochères. Comme les facochères. C'est ça. Elle n'a même pas de problème. Hein. Okay. Une femme qui fait. Quand j'ai dit ici là que je devais perdre
9 kilos, 10, 9 à 10 kilos à 3 mois. Est-ce que vous avez cru? Hein? Quand je vous avais dit ici que je ne suis pas dans le régime, je ne suis pas dans le génie, je ne suis pas dans l'été. Je dois perdre 10 kilos en 3 mois. Vous n'avez pas cru? Mais vous m'avez vu au sport. Tous les jours, je faisais entre 3 et 5 km. 3 et 5 km. Quand je ne fais pas le matin, je fais le soir. Quand je ne fais pas le soir, je fais le matin. Sur 3 mois, vous avez vu? J'ai perdu 4 tailles. Je suis partie de 46 où j'étais. Je suis tombée à 40-42. Et dès que j'ai perdu les kilos que je voulais, j'ai arrêté. Mais Jean, je suis tenace pour tout. Pour le travail, pour mon corps, pour les problèmes. Mm-hmm. Je suis tenace, je suis personne très tenace, même personne qui a... je suis comme le corps... Je suis comme l'escargot, la coquille dure, mais le corps, le cœur, j'ai le cœur sous la main comme ça. Je ne peux pas voir quelqu'un avec les larmes. Jamais. Jamais. Je ne peux pas. Mais quand c'est que tu m'attaques, c'est là où ça ne va plus. Alors je vais vous relancer quand on sera en train de me faire les ongles. Je laisse mon téléphone en charge. Gros bisous à vous. Je vous aime très très fort. Et bon après-midi. C'était la veille de la République. Bye-bye.